semence. You know when you take a seed, on la jette. And you throw it to the ground. On l'enterre. And you bury la semence, the seed. Il n'y a que celui qui l'a enterré là. Is only the one that throw the seed. Qui est au courant. That is aware. De la valeur. Of the value. Si c'est caché. That is hidden there. That's right. Tout le monde peut ignorer. Everybody can ignore. Vous pouvez ignorer cette semence. You can ignore this seed. Vous pouvez même marcher dessus. You can even walk upon it. Mais. But. Aujourd'hui vous avez marché dessus. Today you have walked upon. Demain vous avez marché dessus. Tomorrow you will walk upon. Après 7 jours après. When you will go 7 days vous avez marché dessus. Where you walk upon. Devient une vertu. Became a great power. Vous serez surpris par la bénédiction. You will be surprised by the blessing. Vos ennemis seront surpris par la bénédiction. Your enemy will be surprised by the blessing. You are not the fruit of mistake on the earth. Tu es le fruit parfait de la volonté de Dieu. You are the perfect fruit of the will of God. Quand j'écoutais la parole comme toi, when I listened to the word like you, je pensais que ce n'était que des paroles à l'air. I thought it was just a vain word. Mais aujourd'hui, but today, je suis le résultat de la parole of the word. C'est bien. Qui a donné le fruit. Those that have a chair, you can be seated. Je vais le céder pour votre vie. I bless the Lord for your life. Je vais seulement vous donner ce que Dieu m'a donné. Yes, I give to you what God gave to me. Pour arroser ce que vous avez reçu. Yes, shower what you have received. Et après, je vais encore rappeler les prophètes. Well, after I will call back the prophet again. Because il a encore une prophétie. I think we still have a prophecy for somebody. Parce que c'est la nuit de turbulence prophétique. Because it is the night of prophetic turbulence. Sera dans la turbulence. Somebody will be in the turbulence. Vous avez vu? Have you seen? Il est parti jusqu'au Mali. Il went to Mali. Je crois que t'as acclamé pour ça. Read from the verse 1. Read from verse 1. Au verset 5. Portez bien l'oreille, hein, s'il vous plaît. Pay attention to the word of God. J'ai une bonne lectrice ici. Is there anybody who can read very good? Matthieu. Tire du verset 1, je lis. Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagé, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux disciples. Hé, Jésus envoie combien de disciples? Deux disciples. Aujourd'hui, on est combien? Deux. Alléluia. Paris a pris feu. Je ne suis pas responsable. C'est pas ma faute. Jésus envoya deux. Jesus sent two disciples. Cette nuit, Jésus a envoyé deux disciples. This night, Jesus sent two disciples. We're going to see it immediately. Allez au village qui est devant vous. Allez au village qu'on appelle Paris. Amen. Amen, amen. Go to the village called Paris. Cette parole n'est pas passée.
Israel had no part. Il s'appelle Je suis. His name is Je suis, c'est lui qui suis. Amen, amen. La Bible dit, the Bible says, Ecclesia, in the book of Ecclesiastes, chapitre 3. Chapter 3. Et dit ce qui est, he said, which is, a déjà été. Have already been. Ce qui sera, which will be, a déjà été. Have already been. Et Dieu ramène. And God is bringing back ce qui est passé. What has passed. Ta guérison, your healing, a déjà été. Have already been. Ta délivrance, your deliverance, a déjà été. Have already been. Ta richesse, your wealth, a déjà été. Have already been. Aujourd'hui, ton locataire sera chassé. C'est lui qui profite sur tes biens. L'ange de l'Éternel est descendu pour déloger les maisons. Ce qui est à toi est à toi. Ce n'est pas le bien. Le péché sin est le résultat de la misère. Is the result of misery. La personne bénie. The blessed people. Il a plus besoin de pécher. He did not need to sin. Le jour où tu vas rencontrer Jésus de Nazareth. The day you will meet Jesus Christ of Nazareth. Ce jour-là, c'est cette nuit. That day is tonight. À de maintenant. Non. Le coup du péché te quitte. Amen. Mon ami. Moi, j'étais pécheur. I was a sinner. Pas petit. Not a smaller one. Je ne sais pas comment tu manges les péchés. I don't know how do you eat sin. Moi, quand j'ai mangé les péchés, when I was eating sin, c'était comme du pain avec du beurre plus confiture. It was like the bread with the butter with a confiture in it. Hein? Mais le jour où Jésus m'a rencontré. Oh, the day Jesus met me. Je suis jeune. I'm young. Mais tout ce qui était pour moi comme un cœur. Everything that was again for me, je l'ai abandonné tout seul. I abandoned it all alone. Personne ne m'avait prêché en disant abandonne tes péchés. Nobody preached to me saying forsake your sin. J'ai rencontré Jésus. I met Jesus. J'ai vu sa lumière. I saw his light. Il m'a éclairé. He enlightened me. Dans les ténèbres où j'étais, the darkness where I was. Mon âme a choisi la lumière. My soul chose the light. Aujourd'hui, il m'a choisi la lumière. He began to pray for them. My prayer was answered.
compris. And I understood que vous tous qui êtes dans cette veillée, that all of you that are here, ceux qui suivent aussi loin qu'ils soient, and those that we follow far there, cette même grâce, this same grace, is le gouvernement céleste. Not with the heavenly government. That's right.
Oh, c'est dangereux. It's dangerous. Et dis quoi? What did he say? Détachez-les. Et amenez-les. Et amenez-les. On va pas te laisser au milieu des sorciers de ta famille. When God came to set you free, he takes care of the children. 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 He takes care of the He is there above. When they bring you to God, that means they are lifting you up. Yes.
Oh, Lord,
Jesus' name. Père, au nom de Jésus. By the grace and the mercy. Par ta grâce, par ta miséricorde. I pray. Je prie. Let your glory come, Father. Que ta gloire vienne. Let your glory come, Father. Que ta gloire vienne. Let your power. Que ta puissance. I command you to leave this body, Satan. Je te demande de sortir de ce corps, Satan. Je te commande de quitter le corps. I command you to leave the body. Tout le chaînes, all the chains, 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 all the chains, tout le chaînes, 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 all the chains, tout le I command every chain. Who can wherever you are, leave the body of the people of God. You won't keep me. You will serve. I thank your power. 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 Thank you.
Que tu es venu avec, s'il te plaît, tends la photo vers l'autel ici. Je proclame la délivrance de chaque personne sur cette photo au nom souverain de Jésus. Où qu'elle se trouve maintenant, qu'un ange du Seigneur soit envoyé à leur rencontre. Quelle que soit la situation, le problème que ces personnes sont en train de traverser, je proclame la délivrance. Je proclame qu'elle reçoive le miracle maintenant. Je n'entends pas toi-même. Amen. Toute personne sur cette photo qui est malade reçoit la guérison à 7 heures. La Bible dit que quand Jésus priait, on appelait les personnes pour qui il avait prié. Et on se rendait compte qu'à l'heure où il avait déclaré, le miracle s'était produit. Je déclare, quelle que soit la bataille dans laquelle ces personnes sur ces photos se trouvent, quelle que soit leur prison, je brise les portes de fer, je brise les verrous de fer, je libère leur destinée au nom de Jésus, je libère leur situation au nom de Jésus. Que ces personnes soient visitées maintenant, qu'elles soient visitées maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Je vais dire merci à mon frère. Que Dieu te bénisse sur le jour. Tu as un ministère de délivrance redoutable. Tu es dangereux, mon frère. Je sens que ta photo est partout dans le monde des ténèbres. Tu vois que tu es mort. Parce que tu es une menace pour Satan et son royaume. Toutes ces personnes sont délivrées au nom de Dieu.
elles sont libérées dans le nom souverain de Jésus. Pendant qu'elles se relèvent, leurs problèmes sont partis et ne reviendront plus jamais. Dans le nom puissant de Jésus. Un homme, quelqu'un, on dit au Cameroun que quelqu'un est quelqu'un derrière quelqu'un. Ce soir, j'ai encore compris d'où ta puissance vient. C'est pas loin de toi, mon frère. C'est juste à ta gauche. C'est de toi, à ta gauche, à côté. Est-ce qu'on peut célébrer pour le moment? Quand Dieu te bénit avec une bonne femme, c'est que tu es vraiment béni. Mon frère, tu es béni. Nous serons à Lille, c'est la semaine prochaine. Mais la semaine prochaine, je serai à Lille. Du 5, du 3 au 5. Oui, vendredi, samedi, dimanche. La semaine prochaine. D'accord. Dimanche, nous avons la conférence d'impartition. Et il y a des bâtiments ici pour tous ceux qui voudront participer. C'est pour ceux qui veulent bénir ce ministère, qui dit Seigneur, je veux être une bénédiction pour le ministère. Amen. Je veux remercier tous ceux d'entre vous qui nous soutiennent à partir du Cameroun. Beaucoup ici nous envoient les offrandes par mois pour soutenir l'œuvre de Dieu. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que sa gloire soit sur ta vie au nom puissant de Jésus. Peu importe ce que tu as donné, le Seigneur te soutiendra. La conférence d'impartition sera un moment d'intimité entre moi et vous. Je toucherai tout le monde là-bas. Et s'il n'y a pas moyen d'entrer dans la foule, ce n'est même pas possible parce qu'ils sont en bas, tu n'as pas été. Mais le Seigneur t'a touché où tu es. Même ceux qui sont dehors, le Seigneur t'a touché là-bas. J'ai été marqué, mes amis. J'ai vu des gens assis par terre. J'ai vu des gens debout toute la nuit. J'irai raconter ça au Cameroun. J'irai raconter ça au Cameroun. Dieu se mettra debout en ta faveur au nom de Jésus. L'Éternel se mettra debout pour toi. T'as aucun problème, l'Éternel ne t'abandonnera. Il se tiendra toujours pour te défendre dans le nom souverain de Jésus. Mais si on vit des choses extraordinaires ici, des miracles extraordinaires. Et comme mon frère Siamon a dit, parce que vous savez, il y a des gens que c'est Dieu qui vous les donne. C'est Dieu qui me les a donnés. Ils sont ma famille. Ma famille, ça c'est la première fois que je fais son nom de Dieu. La première fois de là. Et j'ai dit que je vous attends au camp. Je vais vous envoyer. Vous êtes, vous avez trouvé la personne vraie, c'est vrai. Comme il a dit, le plus souvent, nous sommes entourés de personnes qui sont hypocrites. Mais lorsque vous trouvez une personne qui vous aime sincèrement, ne vous amusez pas avec cette personne. Je me souviens une fois, mon téléphone avait eu des problèmes. Mais moi, n'a pas causé une semaine. Il pleurait de son côté. Moi aussi, je pleurais. J'ai même pas le dire. J'ai dit, s'il vous plaît, aidez-moi à retrouver mon frère, j'y fais ma case. Puis aussi, tu es mon frère, quand il est là. L'amour est devenu une espèce rare, une espèce menacée et en voie de disparition. Qui est-ce qui va faire ici? Qui est-ce qui va faire? Ah! C'est sérieux, mon Dieu. C'est sérieux. La Bible dit ceci. Il est bon que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Cette parole s'accomplira dans ta vie au nom de Dieu. Dimanche, nous serons. Il est sur moi.
Nous allons donner rapidement les badges avant que je ne prie pour tout le monde. Où sont les badges? Apportez les badges. Oh, 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 oh. Célibataires et qui veulent se marier. Parce qu'il y a des célibataires qui ne veulent pas se marier. Quel célibataire c'est qui ne veut pas se marier? Les célibataires qui ne veulent pas se marier, les vraiment. Oh, que Dieu vous bénisse, moi. Ne vous mariez pas. Papa, ne vous mariez pas. Quel célibataire qui veut se marier? Après que Adam ait donné les noms à tous les animaux, il ne trouva pas une aide semblable pour lui-même. En français, lorsqu'on dit il ne trouva pas, ça veut dire qu'il a cherché. Et il a cherché dans tout le jardin. Il y a plusieurs personnes parmi nous, nous sommes fatigués de chercher. Tu as cherché. Tu es tombé sur Jacques, il t'a déçu. Après, tu es allé sur Anthony. Il a laissé un enfant. Tu as rencontré Mathieu. Mathieu t'a dit, Anthony, c'est un bandit. Moi, je suis sérieux. Je prends soin de toi. Je te mets en haut. Oh. Et lui aussi, il a volé 300 de ta vie. Après, toi, t'es un homme. Peut-être c'est Johnny. C'est Johnny. C'est ça, c'est Johnny. Johnny, c'est ma gare. C'est mon aéroport. J'ai envie de l'acheter. Johnny, lui aussi, t'a grimoté 4 ans de ta vie. Après, Armand est arrivé. Et tu sais ce que j'ai fait. Armand t'a dit non, écoute, moi je suis sérieux, Johnny c'est un bandit. Moi là, pas demander à Jackie, c'est elle qui est partie. Ce n'était pas à cause de moi qu'elle est partie. Je prenais soin de toi. Et tu as hésité, tu étais persévérant, tout hésitant. Et tu as dit quoi? Ça c'est la dernière tentative. Et tu as allé avec Johnny. On a dit le dernier, c'était Armando. Et Armando, il n'a même pas fait mandat de 6 mois dans la vie. Il a laissé plus de dégâts que les Johnny. C'est-à-dire que tu mélanges tout ce que tu as connu. Armando, c'était le joker. Mais tu es arrivé quand tu as dit, je ne veux plus me marier, je veux être seul. Écoutez, les bonnes personnes existent, mes amis. L'amour existe, comme le bon enfant. Et Dieu te fera trouver la main. On ne peut pas dire
avec quelqu'un, va remplir la terre, multiplier. L'homme ne donne pas la femme. Tu as besoin de ma femme. Tu as besoin de ton mari. Et c'est la Bible dit. Et c'est la condition que le Seigneur, après ce séminaire, des partitions, te donnera quelqu'un de bien. Est-ce qu'il y a des femmes ici qui sont prêtes pour le mariage? Vous vous êtes bien mariés. Est-ce qu'il y a des femmes qui sont prêtes pour le mariage? Vous savez, mes amis, si tu es prête, ne manque pas dimanche. Parce qu'il y a des femmes qui disent qu'elles sont prêtes pour le mariage. Le mot mariage vient du grec diamos, qui veut dire la fusion. C'est la fusion en fait. Diamos, c'est la fusion. La fusion de deux personnes. Et les deux qui deviendront une seule et même chair. Donc vous savez, la Bible dit que Ève était une aide pour. Par exemple. Donc la femme est une aide pour son mari. Tu n'es pas prêt à aider. Tu n'es pas commandant. C'est l'aide. Le mariage n'est pas pour les femmes qui ont le sang. Et moi, je suis comme l'homme. Voilà. On ne me commande pas. Non, moi, je ne parle pas de moi. Elle dit que ça, c'est elle. C'est pour ça que c'est célibataire, ma fille. Vous devez, vous devez savoir une chose. Aucun homme. L'homme, c'est un roi dans sa nature. L'homme est un roi. Lorsque Dieu a créé l'homme, il lui a donné la grande vie. Et la femme est une reine. Et c'est à cause de l'homme que la femme a été créée. Donc Dieu ne t'avait même pas dans son programme. Et tu viens, tu me menaces. On me parle. On dit, chérie, c'est moi, je suis chérie, je suis parce que toi, maman, préparé tout le ciel. C'est pas une aide là-bas, mes amis. La femme a été créée pour aider l'homme. L'homme est une aide pour Dieu. Et la femme est une aide pour l'homme. Que Dieu te fasse. Et puis, vous voyez, la femme, c'est un être propre, spécial. Quand j'ai une aide, ça veut dire qu'elle a la capacité d'accomplir la destinée de son mari. Et ça, une vraie femme. Quand l'homme est dans la vie d'un homme, les projets de cet homme commencent à réussir. Cet homme commence à avancer où il échouait avant. Est-ce que vous comprenez? Il dit que Adam ne trouva pas une aide semblable à lui. Oh, Adam c'était un cultivateur et sa femme était une cultivatrice. Tu ne peux pas trouver une femme. Tu es cultivateur, elle est tailleur. Pour vous marier, tu vas pleurer. Ta femme doit être ton aide, elle doit t'aider à accomplir la destinée prophétique que le Seigneur t'a donnée. Amen. Je crois que les vraies femmes existent, elles sont pleines ici. Et on a retiré la femme. Vous savez, la femme n'a pas été créée avec la saleté. L'homme, lui, a été créé dans la saleté. Donc, on a pris la poussière de la terre, on a formé l'homme. La poussière, ce n'est pas propre, mes amis. Mais la femme. On a opéré l'homme, on a retiré une côte propre. Sans poussière, sans saleté. Et on a pris ça, tu as pris ça avec délicatesse. Et il a formé une aide pour l'homme. Maintenant, si on vous dit qu'on donne à quelqu'un une aide, c'est parce qu'il est incapable. Celui qui est capable n'a pas besoin d'aide. On aide parce qu'il y a un besoin. Donc les femmes ont du mystère d'aide et elles aident leur mari en quoi? L'homme a été créé à partir de la poussière. Donc, il est sage. Toi, tu as été créé à partir d'une côte propre. Donc c'est propre. Alors tu aides ton mari à devenir propre comme toi.
femme n'est pas celle qui bagarre avec son mari, qui insulte son mari. Son mari dit à elle, BCDEFDIA. Non. C'est une femme qui se maîtrise, qui connaît gérer la colère de son mari. Et son mari me dit, oh, c'est comment ici avec la frustration de l'homme. Elle dit, bébé, tu veux que je lave ses pieds? Son mari m'a dit, oh non, c'est comment? Alors, il cherchait le terrain à quelqu'un. Et il dit, bébé, tu as besoin de massage? Une telle femme, son mari sera prêt à mourir pour elle. Et ton mari rentre, il est fatigué, il cherche les querelles. Tu lui dis, écoute, moi j'ai fait la boxe, j'ai même gamin, je tape. Que Dieu te bénisse. Rendez-vous dimanche. Ce n'est pas pour les enfants, ne venez pas avec les enfants. Et après cela, je vais mettre un menu sur la tête de tous ceux qui seront présents. Quel que soit ton champ de prédilection, le Seigneur te bénira. Que tu sois homme d'affaires, femme d'affaires, que tu travailles, quel que soit ce que tu fais dans la vie, Dieu ouvrira une porte dans ton domaine de prédilection. Amen. Amen. Donc, la conférence d'impartition, c'est pour ceux qui soutiennent le ministère. Amen. Oh, mon frère, s'il sort de loin, quand on voyait ça, il a compris quelque chose. Dieu te donnera ce que ton cœur désire. Qu'il t'exauce. La confusion ne sera pas ton partage. Amen. La déception ne sera plus ton partage. Amen. Dans tous les domaines de ta vie, Amen. Le Seigneur te surprendra. Amen. Dans le nom souverain de Jésus de Nazareth. Amen. Qui veut être Joseph d'Arimathée? Qui veut le soutenir financièrement? Qui veut donner l'offrande au ministère? Pour la conférence des partitions. Que Dieu te bénisse. Et les badges, ils n'ont pas pris les badges. Donc, quand nous serons là dimanche, tu vas arriver, tu vas donner ta contribution, ce que tu veux donner à Dieu. Amen. T'es volontaire. Tu peux venir dire, Seigneur, je veux donner 1000 euros, je veux donner 500 euros, je veux donner 50 euros, je veux donner 100 euros. D'après la résolution de ton cœur. Nous n'avons pas voulu, j'ai posé à tous les enfants, je leur ai dit que si quelqu'un veut donner 1000 euros ou plus, c'est son alliance avec Dieu. Mais qu'est-ce celui qui a 10 euros, on ne le met pas de côté. On n'a pas voulu plafonner ça. Parce que je veux que tout le monde soit à la conférence d'un participant. Amen. Donc, quand vous arriverez dimanche, vous trouverez une équipe à l'entrée, et puis tu prends ton engagement avec la semence, et puis tu entres d'après ce que Dieu mettra dans ton cœur. Le plus important, je veux que tu sois. Et les célibataires, si tu rates le séminaire, tu me vois en route, fais comme si tu ne me connais pas. Parce que si tu me salues, je ne veux pas répondre. Parce que tu es ton premier plus grand ennemi, c'est que tu veux rester dans le célibat. Hein? D'accord. Il y a des gens qui disent, non, on m'a bloqué dans ma famille. Non, on m'a... Non, non. Jésus-Christ a dit ceci. Même de nos sociétés en l'intérieur. Quand il était à l'intérieur, le grossiste ou masse. Vous connaîtrez la vérité et la vérité des affranchis. Il y a des batailles dans ta vie. Il y a juste une révélation. Quand tu vas comprendre cette révélation, le démon de célibat va partir. Amen. Et je ne prie pas juste que Dieu vous donne des foyers stars. Mais qu'il vous bénisse financièrement pour préparer l'avenir de vos enfants. Amen. Dieu va bénir vos finances. Amen. Quel que soit ce que tu fais, l'huile de la royauté sera posée sur tout le monde. Je dis encore tout le monde. Amen. Personne ne sera excepté. Tout le monde, je vais imposer les mains et Dieu t'introduira dans ta destinée royale. Amen. Tends ta main vers moi. Tends ta main. Dis mon Père et mon Jésus. Amen. Ta faveur est sur ma vie. Ta faveur est sur ma vie. Ta grâce 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 est sur ma vie. À partir d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je déclare que toutes portes fermées sont ouvertes dans le nom puissant de Jésus. Je réussirai et je marquerai ma génération
dans le nom de Jésus. L'échec n'est plus mon partage. La maladie n'est plus mon partage. La souffrance n'est plus mon partage. La pauvreté n'est plus mon partage. Dans le nom de Jésus, je relèverai les défis de ma destinée. Je ne serai pas un sujet de honte dans ma génération. Au nom de Jésus, j'accomplirai ce que personne n'a accompli dans ma famille. Tout hôtel familial dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère, je le renverse au nom de Jésus. Écoutez mes amis, vous voyez, lorsque j'ai donné ma vie à Christ, ma mère, elle m'a chargé de vous saluer et de vous dire qu'elle vous aime. Ma mère, elle a eu 5 enfants, et parmi les 5 enfants, 3 sont morts. Nous sommes restés 2, ma cadette et moi. Et il y avait une malédiction dans ma famille, c'est que personne ne traversait 30 ans. Donc tous mes aînés ont été dévorés par la malédiction de la mort précoce. Et il y avait une pauvreté extrême dans ma famille. Personne n'avait une voiture. Personne n'avait une maison qu'il a construite. Et donc, lorsque j'ai donné ma vie à Christ, dans les années 94, quand j'approchais les 30 ans, ma mère a commencé à faire mon deuil. Elle savait qu'elle va me perdre. Quand j'avais 30 ans, elle s'est mise à pleurer. Que mon fils encore, je vais le perdre. Je vais le perdre. Je lui ai dit, maman, ce qui est arrivé à mes aînés ne m'arrivera pas. Amen. Moi, je suis une nouvelle création. Amen. La Bible dit aussi, c'est Saint Christ, Kahine qui tissis. Car quand il y a parenté, il dit que bon est Kahine. Si n'importe qui est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues. Nombre 23-23. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. Ni la sorcellerie contre Israël. Autant marqué, cela dit à Jacob et à Israël, quelle est la source de l'éternel. J'ai dit à ma mère, moi, et quand elle est pertinente, je ne veux pas mourir. Ce qui les a tués ne me tuera pas. Amen. J'ai atteint 30 ans. J'ai traversé 31. 32. Ma mère va que je ne meurs pas. Elle dit, hey, c'est comme si c'est vrai. 35 ans, ma petite soeur elle-même, elle a traversé 30 ans. 32, 33, 34, elle a atteint 40 ans. Rien. Ma mère a dit, ah, toute ma famille a été délivrée. C'est comme ça qu'on a vaincu la malédiction de la mort précoce. Parce que quelqu'un s'est levé dans la famille. Quelqu'un s'est levé dans la famille. Écoute, ne te laisse pas faire. Paul a dit dans Romains 12, 21, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Dis-toi, ça ne m'arrivera pas. Amen. Je marquerai la différence dans le nom puissant de Jésus. Et la deuxième chose, c'était quoi? C'est que dans ma famille, nous étions dans une pauvreté inhumaine. Et c'est mon pauvre. Et donc, quand le Seigneur Jésus m'a apparu en 2005, il m'a dit, tu veux savoir pourquoi je t'appelle à mon chéri? J'ai dit oui. Il m'a dit, auprès de Dieu, regarde, plusieurs s'engagent à me servir à cause de leur ventre. Pour cela, ils ne disent pas la vérité. Ils retiennent la vérité captive. Et beaucoup de mes brebis meurent dans leur péché. Mais toi, tu craindras mon nom. Tu marcheras devant ma face. Et quand le temps sera accompli, tu te lèveras. Et tu demanderas à plusieurs, où est votre Dieu? Et après ces choses-là, j'ai demandé au Seigneur, si tu m'appelles à devenir un homme de Dieu, parce que je ne voulais pas être un pasteur. Ça, j'avais fui ça pendant 2 ans. J'ai fui. Dieu m'avait dit, va à l'école biblique. J'ai dit non. Et je suis allé à l'école biblique le 3e jour, la nuit. J'ai porté mon sac sur la tête. J'ai fui. J'ai dit à Dieu que je ne savais pas que ça allait être difficile comme ça. 2 ans après, je voulais faire le concours de la douane, le recrutement de la douane. J'ai une vision de la nuit pendant que je dors. Un ange du Seigneur m'apparaît. Il me dit, Ferdinand, si tu fais le concours de la douane, tu réussiras. Personne ne t'empêchera de réussir. Mais ce n'est pas où l'éternel, ton Dieu, veut que tu sois. Retourne au séminaire de théologie. Voilà comment je suis retourné. Et donc, dans ma famille, la pauvreté était telle que, bien aimé, Dieu existe. C'est tout ce que je peux vous dire. Amen. Il faut avoir la foi et le courage. Ne pas te laisser faire. Quand le Seigneur Jésus m'a appelé, dis-toi, Seigneur Jésus, ok, si tu
veux que je te serve, tu me bénis financièrement. Première chose, tu me donnes l'indépendance financière. Pour que ceux vers qui j'irai dire la vérité, qu'ils ne me fassent pas le chantage. Amen. Quand Dieu vous appelle à son service, n'acceptez pas bêtement. Non. Discutez votre contrat de travail. Posez vos conditions. Amen. Je ne vais pas accepter comme ça. J'ai dit, voici mes conditions. Et parmi mes conditions, je lui ai dit, tu ne peux pas faire de moi le pasteur, je te sacrifie ma jeunesse, parce que moi, je n'ai pas connu la vie mondaine. Les boîtes de nuit, là, je n'ai jamais connu ça. Amen. On dit, les jeunes allaient au cinéma, je n'ai jamais connu ça. La vie des femmes, des copines, tout ça. Je n'ai jamais connu ça. J'ai cru, j'avais 15 ans, 15, 16 ans. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que, quoi les gens? Ah, c'est Paris. D'accord. Je sais qu'à Paris, je ne sors pas. Je ne sors pas. Je suis dans ma chambre de père enfermé. Quand le père l'a étonné, c'est qui là, il est toujours enfermé dans ce chambre. Et vous voyez, mes amis. Et donc, j'ai signé le contrat. Aujourd'hui, au Cameroun, dans mon pays, dans ma nation, je suis parmi les hommes les plus influents. Financièrement parlant. Les plus influents. C'est celui parmi les personnes les plus influentes. Au point où la police m'a convoqué. Le service de renseignement. On convoque au commissariat. On m'a demandé que ta richesse vient d'où. On a bien commencé la causerie avec le commissaire. Imaginons que c'était un grand de Dieu, pour rassembler des milliers de personnes, et le gouvernement est avec vous. Et après, me demandez, vous êtes riche, votre richesse vient d'où. Je lui ai dit que là, vous venez de m'insulter. Vous ne m'avez pas seulement insulté, mais vous avez insulté Jésus-Christ, donc je suis le serviteur. Et vous avez insulté toute l'œuvre que j'ai faite. Vous avez insulté tous les hommes de Dieu. Comment vous pouvez demander à un homme de Dieu d'où lui vient sa richesse? Je lui ai dit que vous voyez, ma richesse, c'est mes enfants. Lorsqu'un père a beaucoup d'enfants, ses enfants sont sa richesse. Quand je venais ici, les enfants ont dit au père, on va payer l'hôtel. Ce n'est pas la richesse. Amen. Pas payer. Quelqu'un dira que je suis riche, non? Vous venez ici, c'est des dizaines de milliers d'euros qu'on investit. Mon frère m'a dit, non, oh, bien, je paye la salle. La salle, c'est celui qui a payé. Amen. De 4000 euros. Vous imaginez. On aura quand quelqu'un me voit, il dit, oh, je suis riche. Et ça fait quoi? La Bible dit que celui qui prêche l'évangile vive l'évangile. Amen. Nous avons des enfants qui sont reconnaissants, mes amis. Il y a des gens, plusieurs d'entre vous qui sont venus en Afrique, qui nous ont bénis. Amen. Avec des milliers d'euros. On est en Afrique, les euros, ça veut dire que ça nous trouve en Afrique. On est obligé d'aller changer ça. Et on me demande que, oh, on est venu. J'ai dit à mon commissaire, je lui ai dit qu'au Cameroun, par mois, nous faisons un culte avec plus de 10 000 personnes dans nos églises. J'ai dit qu'imaginez-vous que chacun me donne 1 000 francs par mois. Ça fait 10 millions. Vous êtes un fonctionnaire, vous ne pouvez pas vous comparer à moi. Non, c'est que les gens ne réfléchissent pas de façon de Dieu. Il y a des personnes qui sont reconnaissantes. Amen. Il y a des personnes qui disent non, non, si la parole qu'il donne, ça m'a aidé. Et là, c'est l'air seul, il donne le héros. Et voici mon offrande. Et si 10 personnes le font, 3 personnes. La Bible dit qu'au temps des apôtres, les chrétiens vendaient leur maison, leur propriété. Ils venaient mettre l'argent au pied des apôtres et ils prenaient, ils le mettaient à la maison. Ils disent, non, hey, tu vends ta maison, tu n'as pas l'argent, tu veux la police parler. Si tu fais ça, on va t'arrêter, mon frère. Et qu'est-ce que je dis, frère? On va dire, il y a un pasteur là-bas, il demande aux gens de vendre leur maison, et de l'argent, lui remettre l'argent. Pourtant, c'est ce qui est écrit dans la Bible, c'est ce que les gens font ça.
Donc, je voudrais que vous compreniez une chose. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il le fils d'un homme pour se répandre. Ce que Dieu t'a promis, il le fera. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Nous allons clôturer. Et dimanche, je voudrais que tout le monde soit là. Amen. Si tu peux bénir le ministère avec 1000 euros, tu lèves juste ta main où tu es. Lève juste ta main où tu es. Tu veux bénir le ministère avec 1000 euros dimanche. Lève juste ta main. Lève ta main où tu es. Avec 1000 euros. Lève ta main. Lève ta main. Ne limite pas l'homme de Dieu dans ta vie. Tu lèves juste ta main où tu es. Tu veux bénir avec 500 euros. Lève ta main, s'il te plaît. Avec 500 euros. Que Dieu te bénisse. Tu veux payer avec 300 euros, tu lèves ta main. Lève juste la main où tu es. Tu veux payer avec 200 euros, tu lèves ta main. Que Dieu te bénisse. Tu veux payer avec 100 euros, lève ta main s'il te plaît. Lève ta main. Que le Seigneur te bénisse. Tu veux payer avec 50 euros, tu lèves ta main où tu es. Amen. Tu veux payer avec 30 euros, tu lèves ta main. Tu veux bénir avec 10 euros, tu lèves ta main. Amen. Donc quand tu viendras à la conférence des partitions, tu prendras le badge, tout simplement. Tu vas t'enregistrer et tu laisses ta semence. Amen. Je vais avoir un moment spécial avec chacun d'entre vous. Nous allons laisser l'occasion à mon fils. Il va présenter son livre et nous allons clôturer. Amen. Bien. Amen. Mets-toi debout. Mets-toi debout s'il te plaît. Je vais prier avec toi. Viens, ma foi. Mets-toi debout s'il vous plaît. Je voudrais prier pour. Ah, ok. Ok, merci. Qui sent qu'il est béni ce matin? Qui sent qu'il est le rameau de sa famille? Ok, merci. Donc, il y a mon fils, le prophète Lumière. C'est. Un jeune homme que Dieu va beaucoup utiliser ici. Alléluia. Et il a été d'un grand soutien pour moi dans le ministère. Et avec son épouse. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Donc il va nous parler en quelques minutes de son livre. Alléluia. Shalom, shalom. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps, je vais juste dire quand même quelque chose. Dieu m'a inspiré ce livre qui s'appelle Accélération des vies. Amen. Et j'avais tellement envie d'écrire un livre, mais je ne savais pas de quoi je dois parler. Alors Dieu m'a mis ce thème au cœur. Il dit, bon, pourquoi ce thème? Il m'a fait voir cet homme devant la piscine de Bethesda. Pendant 38 ans, cet homme souffrait. Alors j'ai pu comprendre pourquoi cet homme souffrait tellement. Il m'a dit, écris ce livre parce que beaucoup souffrent. Ils se retrouvent dans cette situation-là. Depuis très longtemps, vous cherchez à aller dans une autre dimension que vous n'arrivez pas. Bon, je ne vais pas aller très loin. Prenez le livre qui ça coûte que 20 euros seulement. Papa. 20 euros. 20 euros. Wow. Et si vous voulez ce livre, ça ne se trouve pas via Internet. Il faudrait juste nous contacter. Amen. Et pour nous contacter, c'est très simple. Vous tapez seulement Gospel Rema Vox. Amen. Gospel Rema Vox sur les réseaux sociaux. Écrivez-nous et nous vous enverrons ce livre via la poste. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Amen. Père, merci pour ta grâce au nom souverain de Jésus. Je recommande ce couple à toi et leur ministère. Que les choses qui ont été écrites à leur sujet soient accomplies. Dans le nom de Jésus.
je vous bénis. Que ton ministère prophétique soit retentissant au-delà des frontières des nations. Au nom souverain de Jésus, que l'Éternel ouvre tes yeux et tes oreilles pour voir et entendre. Tu seras sa bouche dans ta génération. Au nom précieux de Jésus-Christ. Je bénis ma fille. Que ton ministère soit redoutable. Que l'Éternel élargisse tes frontières. Protocole. Père, merci parce que tout ce que tu as promis accompli. Au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Lève-vous. Amen. À partir d'aujourd'hui, vous entrez dans une autre dimension de notre ministère. Je vous bénisse. Dimanche, nous avons consultation. Nous voulons, je veux vous parler par l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? C'est un service prophétique et d'impartition. Père, je bénis ton peuple au nom souverain de Jésus. Que ta grâce qui surpasse l'eau et l'argent accompagne chacun d'eux. Que l'onction et l'alliance du rameau soient sur ta vie au nom de Jésus. Je déclare que tu es le rameau de ta famille. Tu es le rameau de ta famille. Et tu ramèneras la gloire dans ta famille. Au nom puissant de Jésus. Je déclare la longévité sur ta vie, la santé sur ta vie, la prospérité sur ta vie, le succès sur ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Dis mon Père, chaque parole proclamée en ce lieu s'accomplira dans ma vie. Je rentre béni, je rentre visité, au nom de Jésus. Dis à mes chefs fois, je serai. Rendez-vous dimanche. L'adresse est quoi, s'il vous plaît? Hein? L'adresse est quoi? Hein? Villiers sur Marne. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse.